Mais ce qui est au menu, c'est ces deux Orients que sont d'un côté l'Europe orientale, l'Ukraine ou la Russie, et l'Église orthodoxe russe joue très gros en ce moment. Bien que, évidemment, le patriarche ne soit pas le petit télégraphiste de Poutine, il joue sa propre partie. Et d'un autre côté, ce Proche-Orient, où les chrétiens, entre autres minorités, subissent Daesh, Al-Nusra, et petit à petit sont chassés de leur terre ancestrale, ces terres qui ont vu naître le christianisme. Or, Kirill a besoin de François pour calmer les choses en Ukraine, parce que l'ouest de l'Ukraine est catholique et c'est la partie de l'Ukraine la plus nationaliste et la plus anti-russe. Et d'un autre côté, François, il a besoin de Poutine, qui est en Syrie, pour couvrir, soutenir, voire protéger l'ensemble des chrétiens d'Orient, y compris les catholiques.